Et voilà, chers amis spectateurs, bonsoir et nous voulons vous souhaiter la bienvenue. En ce dimanche après-midi, nous vous souhaitons toutes les bénédictions éternelles de Dieu. Depuis le studio à Philadelphie, je vous souhaite la paix du Seigneur. Et comme vous le savez, le dimanche c'est le jour de Dieu. Amen. Et c'est le jour de l'adoration. Gloire à Jésus. Et nous aimerions être en communion avec vous ce soir. Nous espérons que le Seigneur vous visite durant le temps que nous serons avec vous. Bonsoir et merci déjà pour votre attention. Thank you, Jesus. I worship you. This is the day that the Lord has made. Let's rejoice and be glad in it. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci Seigneur de ta grâce de notre vie cet après-midi. Nous te glorifions. Nous bénissons ton nom. Nous t'évoquons Seigneur sur notre vie cet après-midi. Nous t'apportons nos remerciements Seigneur pour tes offres dans notre vie. Tu nous as bénis, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu as mis en nous, Seigneur, ce désir de nous retrouver en ta présence, afin de t'apporter nos louanges, de t'adorer et de te célébrer. Nous te demandons, Seigneur, que tu viennes prendre part dans tout ce que nous ferons ce soir. Nous te demandons, Seigneur, de bénir la vie de tous ceux-là qui nous suivront dans quelques minutes. Permets, Seigneur, durant le cours de cette présentation, il y aura de grandes bénédictions qui seront distribuées dans leur vie et que ton nom seul soit glorifié. Une fois de plus, Seigneur, voici ton serviteur à tes pieds. Nous te demandons que tu fasses l'usage de sa personne. Permets, Seigneur, que tu lui combles de ta grâce et que, Seigneur, tu le remplisses de ton esprit. Et permets, Seigneur, qu'il exécute cette œuvre de justice pour ta gloire. Merci déjà de la manifestation de ta présence dans l'émission de ce soir. Et que ton nom soit béni éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te prions. Gloire. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Puis David déclare dans le psaume 118, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, Alléluia, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Gloire. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au rang. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel, je les tiens. Alléluia. Yes, Lord. Ils m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ils m'environnaient comme des abeilles, ils s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temples des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oh, gloire. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle quand on est juste.
Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. Alléluia. C'est un prodige à nos cieux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci Seigneur. Ô Éternel, accorde le salut. Amen. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens murés sous cône de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Loue l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Thank you, Jesus. Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne mangent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Alléluia. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Alors ouais. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Gloire. Les petits et les grands, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis pour l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais non, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Alléluia. 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 Louez l'Éternel. Gloire à Jésus. À Dieu soit la gloire. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons au Père. Alléluia. Quand tu as dit de recevoir nos louanges, tu as dit Seigneur de recevoir. Alléluia. Nous remercions, nous te bénissons. Alléluia. Nous bénissons en un jour ça, que ton nom soit béni. Oh gloire. Alléluia. Au Père, ton trône est éternel. Alléluia. Et rebessé, rarabasraï. Alléluia. Nous te glorifions, nous t'adorons, ô Père, alléluia. Reçois nos louanges, ô glory, alléluia. Ô, nous élevons nos mains vers toi. Quand tu es digne, Seigneur. Tu es digne, alléluia. Tu es digne, tu es merveilleux, alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, alléluia. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pour ta lumière céleste dans le nom de Jésus-Christ. Non, dimanche après-midi, ça, Seigneur, mais non. Retournez dans la présence, nous disons merci. Merci, Seigneur, pour bonté envers nous. Merci pour miséricorde, côté de Dieu envers nous, Seigneur. Depuis même maintenant, de état de rébellion, non. État de désobéissance, une attitude de méconnaissance. Mais encore, Seigneur, pensez à nous-mêmes. Fais-nous grâce. Parole déclarée, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant l'Éternel est loin de nous de transgression. Alléluia. Il dit comme un père la compassion de ses enfants, l'Éternel la compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Car il sait de quoi nous sommes formés. Oh papa, nous remercions parce que c'est papa, non? Merci parce que vous êtes créateur, nous Jéhovah Dieu. Alléluia. Merci parce que c'est vous-même qui êtes ce qui me souffle de vie. Dans nous-mêmes, gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Vous t'es créé non pour adorer. Et alléluia. Vous t'es créé non pour nous glorifier. Gloire à Jésus. Vous t'es créé pour nous capables de louer. Alléluia. Mais le dimanche après-midi, ça vient deux ou trois. Oh, merci Seigneur. Dans autant de difficultés, dans autant d'épreuves, dans autant, Seigneur, de problèmes,
mais maintenant qui retournait au pied de la croix. Alléluia. Avec louange, oh merci, papa, alléluia. Avec adoration, gloire à Jésus. Nous retournons avec Amen, une attitude de reconnaissance. Je viens pour dire merci pour l'autre jour encore. Je veux dire, le 1er novembre, ça, Seigneur, côté que maintenant, il y a plus de monde qui gagne à travers le monde, qui a célébré la fête des morts, qui maintenant, en quelque part, a pu payer, a pu offrir des sacrifices maintenant à des dieux étrangers. Oh, mais béni soit l'Éternel pour cela, de la vie desquels, Amen. Oh, tu as mis, Amen, la connaissance de la lumière de l'Évangile. Alléluia. Écoutez, que nous reconnaître que parole nous dit, tu n'auras point d'autre Dieu. Oh, Alléluia. Devant ma face, gloire à Jésus. Assurez-nous merci, Seigneur, pour la vie, docteur, point du jour. Parce que maintenant, on mettez connaissance ça dans lui-même. On mettez parole ça dans lui-même. On fait le connaître par mon Lord Dieu que doit adorer. Alléluia. Par mon Lord que lui doit célébrer. Par mon Lord que lui doit lever candale. Alléluia. Que l'Éternel, le Dieu puissant, celui, alléluia, qui est notre Créateur et notre Maître. Oh Papa, assure-moi d'où merci. Moi d'où merci pour tout bien-aimé. Amen, qui est en communion avec nous. Dans le programme ça, quel que soit côté où il est. Mais dis-moi ça, Seigneur, c'est le plan de Dieu. Pour que nous soyons en communion. Alléluia. Quand tu as donné la révélation à ton serviteur David, en lui disant maintenant, alléluia. Amen, pour lui écrire ça, on te dit, pour le dire, alléluia. Qu'il est agréable, qu'il est doux, dans le psaume 133. Pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Parce qu'il y a venu en communion, on dit lorsque deux ou trois, amen, d'accord pour yon mandon bagay. Ça qui est d'accord pour yon mandé à ouva baile. Amen, nous mandons que présence ouva baile dans l'émission ça. Nous mandons qu'on va visiter la vie tout ça qui maintenant penché. Oh, alléluia. Quand la parole dit, Seigneur, l'Éternel relève ceux qui sont courbés. Alléluia. Tout ça que l'esprit a courbé, tout ça qui a battu dans le nom de Jésus. Assure, alléluia. Nous m'en va redresser yo. Mettre un adressé dans le studio. Alléluia. Et mais l'hôtel s'adresse. Ce n'est pas l'hôtel diabolique, mais c'est l'hôtel qu'on décrit. Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Oh, amen. Tes sacrifices là. Je connais que nous-mêmes, nous venons pour présenter. Amen. Sacrifice par nous. Alléluia. Que c'est le fruit de nos lèvres. Amen. L'élévation de nos mains. Qui sommes l'offrande du soir. Seigneur, visitez-nous. Nous invitez-nous. Nous invoquez-nous dans le nom de Jésus, le grand Jéhovah. Nous invoquez le nom de Jésus sur tel ça. Nous invoquez la plénitude du Saint-Esprit. Nous demandons, Seigneur, va visiter chaque maison dans l'après-midi soir, ça, Seigneur. On va visiter chaque cœur. Nous prions pour toute ça qui ne peut qu'on est. Gloire à Jésus. On va opérer miracle, Seigneur, afin que à travers cette présentation, la réunion qui va attendre voir et qui va approcher mon côté et qui va maintenant devenir participant dans le royaume de Dieu. Béni la vie serviteur, docteur pour du jour, servir avec lui. Couvrir sous l'ombre de tes ailes. Mais tes paroles soulèvent le Seigneur. Quand tu lui as confié cette mission d'aller pour tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur, car c'est ta volonté. Nous te demandons, Seigneur, que tu lui accordes. Alléluia. Oh, amen, ce manteau de feu. Afin que toutes les paroles qui seront prononcées de ses lèvres, amen, alléluia, où va pénétrer les cœurs et les pensées, amen, de ceux-là qui mangent encore dans les ténèbres, il va recevoir la lumière de la vie dans le nom de Jésus-Christ. Béni travail, vous mettez approbation. Dans le nom de Jésus, vous priez, à vous-même qui méritez toute gloire et tout honneur. Merci d'avance, Seigneur. Alléluia. Oui, pour me faire un coup. Oui encore, prête à soin, que le Seigneur vous remplisse ce soir, que le remplisse tout le vide qui est dans la vie, ou que le monde qui vient plus vide dans dimanche après-midi ça, qu'à chercher maintenant une bouteille d'afia ou un peu de cocaïne, puis qu'à maintenant ressentir la joie. Nous croyons maintenant que l'on visite du Saint-Esprit humain. M'a transformé la vie, alléluia. Et bien, il va libérer de l'esclavage ça dans le nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu déclare dans Ésaïe le chapitre 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Assurez-nous, venez avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous venez pour faire connaître Jésus, le libérateur. Il peut vous accorder liberté, alléluia.
Et bien, dans toute maintenant dans captivité côté ennemi, le Seigneur est capable de libérer dans le nom de Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Heavenly Father, we come in your presence today. We come to magnify your name. We bow down in your presence because you are our God. There isn't any other God. We are grateful for the things that you have done in our lives today. On this Sunday afternoon, we thank you for the privilege that you have given unto us. The grace that we have received from you to be able to come, to enter into your presence, to glorify your name and implore your presence. Oh, Father God, I pray right now that you will bless everyone that is connected with me right now. Everyone who is under the sound of my voice, cause them to receive multiple grace. Hallelujah. In different levels in their lives. I pray tonight that you will manifest your glory in your life tonight. In the mighty name of Jesus Christ, hallelujah. May the spirit of grace abound in them right now. Oh, Father God, you are a God of mercy. I pray that you will touch the world and everyone that is watching, wherever from wherever they may be, cause them to receive the grace of God, hallelujah. Father God, I pray that you will visit the studio tonight. We need a word from you. Speak, and we want to hear from you, Lord. We need you. We need you. I pray that you will bless the man of God. You will give him utterances and the ability to fulfill this great ministry tonight. I pray for the God that everyone that is listening tonight shall receive blessings in abundance of grace. Touch your ears and their heart. Those that are far, bring them closer to you. Let them be in fellowship with your God, and your name shall be magnified. In the name of Jesus, I pray. Amen. Hallelujah. I send Jesus. I sing Jesus. His name is Jesus, and Jesus. He's the Savior of my soul. Merci, c'est Seigneur la vie, moi. Moi, adoré. Hallelujah. Let's read in the book of Psalms, chapter 6. O Lord, do not rebuke me in your anger or discipline me in your wrath. Be merciful to me, Lord, for I am faint. O Lord, heal me, for my bones are in agony. My soul is in anguish. How long, O Lord, how long? Turn, O Lord, and deliver me. Save me because of your unfaithful love. No one remembers you when he's dead. Who praises you from the grave? I am worn out from groaning. All night long I flood my bed with weeping and drench my couch with tears. My eyes grow weak with sorrow. They fell because of all my foes. Away from me, all you who do evil. For the Lord has heard my weeping. The Lord has heard my cry for mercy. The Lord accepts my prayer. All my enemies will be ashamed and dismayed. They will turn back in sudden disgrace. Thank you, Jesus.
for the reading of your word. Et voilà, je dis bonsoir à tous nos amis spectateurs. En ce dimanche après-midi, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Amen. Donc, c'était le plan de Dieu pour que je sois, amen, avec vous ce soir. Et nous vous remercions déjà. Et parce que vous rejoignez nous, amen, dans l'émission Parole à l'heure de la délivrance. Et nous bénissons le Seigneur. Donc, nous déclarons, je vous dis, hein, comme la Bible déclarait dans le psaume 118. Amen. C'est le jour béni de Dieu. Alléluia. Et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie en Jésus-Christ. Amen. Quel que soit côtoyé, peut-être que pendant qu'on attend des mots, ou après ce programme, ça, on va traverser des moments de difficulté. Et peut-être que maintenant, il y a des challenges qu'il en avait. Écoutez, qu'on va payer maintenant, amen, sur ce programme, ça, on va traverser et la vallée de Baca. Et même chose certaine, nous sommes restés rassurés que la présence de Dieu dit là. Amen. Avec, alléluia. Parce que le Seigneur Jésus dit, mon pape, je ne me quitte, on est abandonné. Mais va avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et comme vous le savez, c'est votre ami, votre serviteur qui vous salue depuis le studio à Philadelphie, Dr. Jean-Aurel, bon du jour. Bienvenue. Gloire à Jésus. Et nous voulons démarrer l'émission avec cette sélection de notre chanson. Mimo Joseph, nous tenons une artiste locale, non? À nous quitter le Bénin, non? Gloire à Jésus. Et je vous dis bonsoir, bienvenue. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Gloire. Alléluia. Merci Seigneur pour qu'on te voit, non? Et que qu'on mène nous après-midi, hein? Gloire à Jésus, la présence. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Alléluia. Oh. Merci Seigneur. Chloé. Remerciez mon Dieu pour la vie que j'ai aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et ceux qui ont attendu à ce programme, ça, c'est parce que le Seigneur est même. Alléluia. Dis-moi la vie pour adorer. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh! M'adorer au Seigneur. Alléluia. Gloire. Et bien fait, mon Dieu, aussi tellement pile, nous va raconter. Nous ne pouvons pas remercier pour tout ça a été fait. Ça nous connaît, ça nous va connaître. Et je dis en 1er novembre, alors que dans le monde maintenant qui choisit maintenant pour adorer des dieux étrangers, et mais pour ceux-là qui ont reçu l'évangile, oh, nous sommes restés rassurés que nous sommes libérés. Alléluia. De la puissance du péché, de la mort, de la condamnation, que le Seigneur nous a donné la liberté en son Fils Jésus-Christ.
Et c'est pour cette raison que nous voulons lui rendre hommage cet après-midi. Adorez mon Dieu. Merci Seigneur. Glory. Merci papa pour la vie, moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'en prie. Des jours. Gloire à Jésus, alléluia. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Gloire à Jésus. Oui, merci, Jésus. Tu nous as délivré, Seigneur, nous te rendons hommage ce soir. Tu as brisé toutes nos chaînes. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Est-ce que y a raison pour remercier le Seigneur? Oui, nous avons plus raison. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Je dis en 1er novembre, maintenant, dans la culture haïtienne, maintenant, comme vous le savez, chers amis, vous connaissez qu'il y a plus de fête souterrain en Haïti, dans l'heure Sakouni en 1er novembre, côté que Mounia a célébré la fête des morts. Mais la Bible déclarait que le Dieu que nous servons, l'éternel Dieu, n'est pas un Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Alléluia. Et par le bon Dieu déclaré, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel. Amen. Ce n'est aucun de ceux dans le psaume 115. Amen. Le verset 17. Alléluia. Dans le verset 16, il dit, les cieux sont les cieux de l'éternel. Alléluia. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Oh, glory. Amen. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel. Après, il y a une raison pour remercier le Seigneur. Premièrement, pour l'évangile qu'on recevra, pour ça qu'il recevra. Cette grande richesse. Alléluia. Amen. Ou la richesse, ça veut dire définir dans Jean le chapitre 17 de la prière sacerdotale que notre Seigneur Jésus-Christ adressait maintenant à son Père dans le verset 3. Il déclarait, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Et celui que tu envoies à savoir Jésus-Christ, amen, alléluia. Parce qu'on est que si vous acceptez Jésus, Jésus dans la vie, ou dans la vie éternelle, gloire à Jésus. Amen. Et maintenant, c'est une raison amen, primaire que vous devez remercier le Seigneur pour lui-même. Dis bon, la vie éternelle, gloire à Jésus. Et Paul dit que si cette tente dans laquelle nous vivons est détruite, nous avons un édifice, oh gloire, qui n'est pas fait de main d'homme, gloire à Jésus. Donc, c'est espérance ça que nous gagnons après-midi, hein. Qui fait n'appeler glorifier le Seigneur. La première ciel, parce que après-midi, hein, nous partons en Haïti. Amen. Connais que maintenant, pour abattre tambour en bas, amen. Comment on va débarrer ça, yo? La caisse Sangoma. Amen. Dans le péristyle, connais que maintenant, on a un rad noir sous vous. Ou valer piment. Ou mettez piment dans tout le corps. Ouais, c'est ça, et mieux fait. Les crozos font des choses terribles, même pour détruire, amen, l'œuvre de Dieu. À savoir ce temple que nous avons, auquel le secours physique. Alléluia. Mais béni soit l'Éternel, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous avons pour devoir d'honorer ce corps. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Car ce corps, comme vous le savez, chers amis, c'est le temple de Dieu. Paul déclare dans le livre des Corinthiens, le chapitre 3, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu, oh glory, alléluia, habite en vous. Amen. Ils ont fait après-midi maintenant, je ne pas déshonorer comme ça. Je ne maintenant mettre ta fia là-dedans, mettre maintenant cocaïne là-dedans. Je ne maintenant manger mon seau bouteille. Vous voyez, il m'y a fait moun manger mon seau bouteille. Je ne maintenant mettre piment là-dedans lorsque l'esprit s'est quitté. Il y a plus de monde qui vient voir Jésus, mais qui est fragile. Parce que lorsque tu as vivre dans le monde, les bagages qui m'y a fait causer en pile maladie,
Yo vini maintenant avec un pile maladie. Et mais yon même qui recevra la liberté à soi, à gloire à Jésus. Yon même maintenant pas besoin de descendre en Haïti pour aller renouveler vœu. Amen. Quand un jour tu es renouvelé ou tu es déjà accepté, fais un vœu avec le Seigneur. Amen. Lorsque cet appel vous a été parvenu dans Luc le chapitre 9, verset 23. Lorsque Jésus-Christ déclarait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, oh glory, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Il a notre appel que dans Matthieu le chapitre 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Dans 2 novembre, 1er novembre, ça, comme vous connaissez, mes bien-aimés, la plus bagarre qu'a fait. Amen. Vous avez besoin que hier soir, 31 octobre, c'était maintenant le nouvel an dans le royaume du diable. C'est comme même j'ai dit 1er janvier, dans l'année Dominus. Et bien, dans le royaume diable là, 31 octobre maintenant, c'est 1er janvier que lié. Côté que maintenant le diable, et bien, le prince de la puissance de l'air, lui maintenant descend dans le physique. Il prend des formes humaines. Côté que pour visiter maintenant plusieurs sites liés, plusieurs côtés qui welcome ni. Et côté que il y a des trônes qui dressaient, côté que le vini maintenant, amen, comme un Dieu qui s'est fait pointer. Mais nous connaissons Satan, pas Dieu, alléluia. Quand la Bible déclare, tu n'auras point, Exode 20, tu n'auras point d'autre Dieu, alléluia, devant ma face, amen. Assurez maintenant, vous l'encouragez, faut qu'on ait le 1er novembre ça, ou pas besoin maintenant aller la caille Sangoma, ou pas besoin la caille Ongan, ou pas besoin de renouveler. Mais Jésus maintenant, oh alléluia. Ni quand la porte qui on l'a frappé. Alléluia. Glory. Amen. Pas besoin de renouveler un nouveau mouchoir. Veux à te faire avec le Seigneur déjà. Et si vous voulez faire maintenant dans le moment ça, m'invitez. Alléluia. I'm inviting you on this day to make peace with your maker tonight. The word of God said that Jesus is standing at the door of your heart. And he said, I am knocking. If you open up, I will enter. I will forgive all your sins. I will dine with you. Which means that he's going to be in fellowship with you. Est-ce que vous allez en communion avec Dieu plutôt ou en communion avec le diable? Est-ce que vous allez en communion avec Dieu le Père, votre Créateur, qui vous donne cette vie temporaire et qui maintenant vous accordera la vie éternelle dans un temps futur? Alléluia. La Bible déclare que si on tire un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme. What is it worth to a man to gain the whole world if you lose your soul? Je vais prier pour vous-même maintenant qui est l'engagement diabolique pour le Seigneur libérer. Parce que Satan lui-même n'est pas joué avec le monde. Quel que soit l'engagement qu'on prend avec là, mangez quand même, mangez petit tout. La tuer madame. Parce que Satan a une famille. C'est Dieu maintenant qui a une famille. Amen. Nous sommes de la famille de Dieu. Alléluia. Dans les écrits des actes des apôtres, maintenant la Bible déclare que. Amen. Alléluia. Dieu maintenant a une famille. Il y a une partie de la famille qui est dans le ciel. Il y a une partie qui est sur la terre. Alléluia. Lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes devenu. Amen. Amen. Le Fils de Dieu, selon Jean, le chapitre 1er, amen, le verset 11. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui croient en son nom. Le verset 12, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Don't you want to become a child of God today? I want you to know God, our Heavenly Father, wanted to express His love that He feels towards humanity. 2,000 years ago, he has set up this plan of redemption by sending us his only begotten son, Jesus Christ. He sent him to die on the cross to redeem your soul. I want to let you know tonight that if you didn't know that something you need to know, somebody died on your behalf so you can receive or have eternal life. Do not act like you don't understand. Do not despise the grace of God. Hallelujah. The word of God says, for God so loved the world that he gave his only begotten son. So whosoever believes in him should not perish, but may have everlasting life.
Parce qu'il y a des gens qui attendent maintenant pendant qu'ils ne sont pas allés en Haïti. Mais on voit l'argent aller pour faire manger l'habitation la caillou. You know who you are. Connais que perroquet parle dans la guerre plus bien aller c'est lui qui aller c'est pour les haïtiens. On peut pas aller en Haïti pour aller faire cérémonie à mon roi corps c'est vous-même qui aller. Vous voulez l'argent pour aller acheter un démon pour persécuter, pour tuer petit, pour tuer madame, pour rendre la vie misérable. Alors Jésus-Christ maintenant est offert la liberté. Alléluia. La Bible déclare que celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Oh, alléluia. Don't you want to receive spiritual freedom through Jesus Christ tonight? Alléluia. Je remercie mon Dieu parce que libéré moi-même. Amen. Alléluia. Il délivre de la puissance de la condamnation. Alléluia. Il délivre de la puissance des ténèbres. Il transporte dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Il m'a régné avec lui actuellement dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur vous a dit, assoyez maintenant dans Romains, chapitre 1, le verset, chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Soupère pour la guerre boîte gâteau. Just have faith in God. Et vous prenez décision pour accepter Jésus ou la guerre boîte gâteau, mettez du feu là-dedans. Ou détruire vieux couleurs qui t'en caillouent. Maintenant, éteigne baleine qui t'en caillouent dans le nom de Jésus. Quoi, just believe. Hallelujah. La Bible déclare, amen, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. God will save you. He will protect you. He will assign angels to be around your life here in the city. Gloria Rabashaya. Hallelujah. The power of God will come in your life. Glory. La Bible déclare que l'ange de Dieu met le cap autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Donc on a évité maintenant le monde qui beaucoup connaît le Seigneur à soi. Dans le 1er novembre, ça, nous connaissons le monde de l'église, tout qui est dans le même bagage. Gampil chrétien idolâtre. Gampil chrétien qui a la magie, qui a voué à l'Haïti, qui a fait magie pour eux. Gampil pasteur qui l'a dedans. Gampil soi-disant monde qui est dans l'église. They are involved in these things. But I come to tell you, you need to be safe free from these things. Vous n'êtes pas capable de servir Dieu à la fois. Oh, maman. Ça a été la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur. I want to pray for you so you can receive your total freedom in Jesus tonight. Alléluia. Au Père, dans le nom de Jésus, m'approchez devant. Dans le jour 1er novembre, ça, pendant que la culture haïtienne n'a guère pile, Seigneur, superstition, Gabriel Bagaron qui a fait. Mais moi, prions dans le nom de Jésus qu'on va libérer le peuple, Seigneur. On va libérer de la puissance de la magie. On va libérer de la puissance de l'idolâtrie. On va libérer au Seigneur, amen. Oh, de poupe, amen. Aller dans le cimetière. On va libérer au Seigneur de la servie mort. Car où dis-je le Dieu, l'éternel Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et bien, c'est le Dieu des vivants. Alléluia. Assoyez notre autorité dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, amen. Que ça y est, qui te enchaîne, que va libérer. Alléluia. Que tout ça qui te dans les ténèbres, que va voir une liberté. Que tout ça qui t'a marché, amen, dans la vallée du séjour des morts, dans le nom de Jésus. Seigneur, fais on va attendre voir. On va détourner les ténèbres. Et on va avancer dans la lumière. Dans le nom de Jésus, mais nous lever l'île d'Haïti, amen. Amen. Et puis le monde déclaré que le vaudou maintenant fait partie de la culture haïtienne. Mais ce n'est pas part pour le peuple de Dieu. Alléluia. Ou te déclaré qu'en Israël, pas de bewitchment. Pas de maintenant des monde qui a provoqué les morts. Pas de monde maintenant qui a fait magie. Et tout ça, ou te fait maintenant, ou te retranché de la famille des enfants d'Israël. Et bien, Seigneur ne pas demander pour retrancher personne. Mais nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le cœur de ces gens soit transformé. Alléluia. Que tu produises en eux le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu réel. Un Dieu puissant qui existe. L'Éternel est son nom. Alléluia. Oh, maintenant il y a le Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui était venu s'offrir. Alléluia. Sur le bois du calvaire afin que nous puissions avoir la vie. Et la vie en lui. Nous demandons au Seigneur qu'on va ouvrir, je peux boire.
Vous pouvez jouer avec vous. Vous êtes capable de nous faire paralytique, vous allez lever marché. Mais nous prions Seigneur dans ça. Vous va bannir puissance diabolique. Amen. Toute force qui a détruit le monde. Tout esprit démoniaque, toute expédition satanique. Nous avons autorité sur le nom de Jésus. Nous désarmons avec la puissance du sang versé de Jésus. Alléluia. Nous demandons protection sur toute maison. Amen. Protection sur chaque famille. Alléluia. Car on nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Couvre-nous, Seigneur. Mais l'Église ou la mer. Mais l'Église commence à perdre puissance. L'Église commence à perdre force. Pas de trois personnes qui ont prié. Pas de trois personnes qui ont communion avec. Oh, amen. Maladie, COVID-19, produit distraction. Mais dans le nom de Jésus, nous comptons deux ou trois qui étaient fermes. Il y a deux ou trois hier, le reste ferme. Alléluia. Qui ont gardé leur fidélité de la foi de Jésus. Alléluia. Il y a un reste faible maintenant qui garde une relation très resserrée avec le Seigneur. Nous demandons l'endurance pour eux-mêmes. Nous demandons la persistance, la consistance et la persévérance de les lois, dans tes lois et tes ordonnances. Afin qu'ils va continuer à prier pour l'autre Dieu. Et nous merci parce que tu mettais ce désir sous qu'un serviteur docteur Bonnejour. Pour les venir as on the watchtower, comme une sentinelle pour continuer à annoncer les oracles de Dieu. Béni Père pour Seigneur à souhait, béni héritage. Permet que la gagner qui va convertir au Seigneur. Dans le nom de Jésus, qui va jeter vieux mouchoir rouge, qui va jeter vieux bouteille, tout vieux potion, qui va vous jeter maintenant tout petit caille dans le gros caille, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, qui va vous jeter toute vieille prière, et même Saint-Bathol dans les proches, dans le nom de Jésus. Mais qui va choisir Jésus. Alléluia. Qui va servir un prière ça plutôt. L'Éternel est mon berger. Oh, glory. Je ne manquerai de rien. Merci, papa, parce que c'est berger nous assouir. Merci parce que c'est protecteur nous. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Couvre la famille de Dieu sur la terre. Et nous demandons tout ça pour qu'on connaisse. Fais-nous va parvenir au salut. Au nom de Jésus, ma prière. À vous-même qui méritez toute gloire et honneur. Au siècle des siècles. Merci Seigneur. Vive mon bois. Pour moi, pas j'en soif encore. Pour moi, dis pêcheur là. Merci Seigneur. Fais manger, Père Paul. Pour moi, j'en grand goût encore. Fais tasse-moi. Plein lunettes. Et fais-moi vivre bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et nous voulons vous saluer avec, une fois de plus avec cette sélection de notre bénédiction Mimose. Gloire à Jésus. Oui, Seigneur. Et nous, mes joueurs, nos amis, dit le branché, parce que nous allons commencer un sujet qui est important. We're going to talk about the spirit of lawlessness. L'esprit d'iniquité. We're going to talk tonight about the spirit of lawlessness. And while it is increasing in the world, et comment qu'on est capable maintenant de posséder l'esprit ça, comment le manifester dans vous-même. Prenons l'église, dans les familles et l'environnement. Gloire à Jésus. Soutiens-moi. Oh oui, papa. Ta grâce, Seigneur. Et nous voulons déjà vous remercier pour votre attention ce soir. Remercier parce que vous rejoignez nous sur Facebook Live. Bonsoir à tous. Et que toute bénédiction, mon Dieu, va reposer sur moi. Oui, Seigneur, bénis-moi. Oui, Seigneur.
et le vrai. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Oui, Baba, soutiens-moi, soutenez nos Seigneurs, soutenez le peuple, Baba. Protégez toute famille, toute maison en bas, puissance sang, dans le nom de Jésus. Oh oui, oui, bénis-moi. Souviens-toi. Et chante-moi ta gauche, accorde-moi. Et vous suivez l'heure de la délivrance sur Facebook Live. Bonsoir à tous. Bienvenue si vous êtes à peine moché. Et c'est votre ami qui vous salue, Docteur Point du Jour, depuis le studio à Philadelphie. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oh oui. Oui, Baba. Merci Seigneur. Gloire. Alléluia. Gloire. Que même mon Dieu soutenu à soi, ou même qui en bas puissance, dépression. Que la main de Dieu, alléluia, soutenu, praise God. Merci Seigneur, oui Jésus, viens sur moi, accorde-moi. Thank you Jesus, I worship you Father. Thank you for your grace upon my life tonight. Alléluia. Soutiens-moi, Seigneur, viens sur moi ta grâce. Oh, ben nous la paix, Baba. We need your peace, oh Father God. Oui, Seigneur, gloire à Jésus, accorde-moi la paix. Oh, accorde-moi la paix, bénis-moi, alléluia. Ça a été une très belle et belle sélection de notre sœur Mimose, et nous bénissons le Seigneur pour le don et les vertus que Dieu lui a données. Alléluia. Nous allons faire une dernière prière avant que nous rentrions dans la parole de Dieu. Et comme vous êtes au courant maintenant, durant le cours de cette semaine, la semaine dernière, nous avons maintenant vécu des temps difficiles à Philadelphie. Écoutez que lundi dernier, il y a eu un riot, il y a eu un incident qui était en place. Écoutez que la police a tiré un jeune garçon noir de 22 ans. Écoutez que monsieur a eu un couteau dans la main. Donc, après la mort, jeune garçon, ça, donc, Philadelphie était en bas. Il y a pile des autres qui fêtent, il y a pile 20 dans les hommes. Et, moun yo prend la rue, yo crase magasin, yo crase Walmart. Yo, maintenant, mette bombe. Il y en a plusieurs, et plusieurs, maintenant, étienne machine. Et, yo fait un pile dégâts. Donc, la police Philadelphie est obligée maintenant de faire appel à l'armée américaine qui maintenant vient pour capable prêter bras de support. Et parce que maintenant, mon yote veut écraser tout business dans downtown. Et de sorte que downtown jusqu'à 7h, il y a un côté qui ferme, qui bloqué, côté moun pas qu'à passer la donne. Donc maintenant, pharmacie fermée bien bonheur, une pharmacie pas ouverte du tout, Rite Aid, CVS. Donc ça te rend bagaille très difficile. Et jusqu'à 7h, l'armée est sur place, côté que yo poko quitté Philadelphie, yo encore à Philadelphie.
et mais maintenant bagaille un petit gens descend. Donc nous venons que mes bien-aimés, ça que tu as fait, tu maintenant c'est pas manifestation vraiment. Et parce que manifestation capable faire maintenant d'une manière est paisible. Mais maintenant c'est l'esprit de lawlessness. Lawlessness maintenant nous pourrons parler de lui-même. C'est lorsque maintenant vous agissez contraire à la loi. When you act contrary to the law. The definition of the word lawlessness means it's the attitude of when you act contrary to the law. And we're going to talk about this tonight, but before we're going to pray. Nous allons prier parce que nous avons une nouvelle semaine. Nous allons demander pour le Seigneur capable de mettre la paix en Philadelphie. Pas oublier que le nom de cette ville, amen, non arrivé, the bloodily love town. Amen. Et Philadelphie. Donc, nous voyons que mais pas gagner amour vraiment. T'as supposé gagner amour. T'as supposé gagner fraternité, pas gagner fraternité. Donc, gagner haine. Et chaque jour, lorsque nous ouvrons la télévision, nous attendons comment que y a un pile stabbing, un pile moun a tiré moun dans Philadelphie. Donc, à ce moment-là, nous connaissons que il y a un instigateur qui derrière ça qu'a fait. Cet instigateur, maintenant, c'est Satan le diable. Comme vous le savez, dans Jean le chapitre 10, le verset 10, Jésus-Christ déclarait, il dit, le voleur est venu pour dérober, pour détruire, pour tuer. Et mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. On a regardé la télévision, côté nous, ouais, jeune garçon a porté 65-inch TV sous doyo. Il a porté frigidaire sous doyo. Il a crasé un magasin mounio. Non, autant comme ça. Ouais, the spirit of lawlessness, lorsque yon moun gagne, li sans maintenant conscience. Li pas gagne maintenant aucune maintenant sensibilité de desensitize. Ou l'esprit ça maintenant, il commence à couvrir la terre et le parler à travers la parole de Dieu. Amen. Enseigner sur l'esprit ça, non seulement gagne dans le monde là, mais gagne maintenant dans l'église. Je dis maintenant l'église, l'amour remplacé par la haine. There is more, gagne moun qui raille pasteur yo. Il y a des gens qui raillent maintenant le leader qui est devant eux. Il y a des gens qui raillent maintenant le monde qui a instruit eux. Qui t'a ramené le leader qui est mort. Ou c'est l'esprit du diable. Assurément, prend autorité dans le nom de Jésus. Hallelujah. Against the lawlessness spirit. Hallelujah. I come against it. I raise the blood of Jesus against that evil power. In the name of Jesus. May God deliver God's people from that evil spirit, hallelujah, so we can live in a spirit of unity, in a spirit of love, hallelujah, parce que in the presence of God, because in the presence of God, God wants us to be united, hallelujah. Paul déclarait maintenant, il dit, ne devez rien, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, hallelujah. Connais que n'importe monde qui raille frère libre, si on meurtrier, même si on pas tué dans le physique. If you hate your brother, you are a murderer. And we wonder tonight how many murderers that we have inside the church. We're going to pray for Philadelphia. I'm excited about this subject tonight. And we're going to go into the Bible. We're going to read some verses. And we're going to define, nous allons définir maintenant l'attitude maintenant lawlessness. Qui leur sont moun qui lawlessness? Yon moun qui lawlessness, yon moun qui pas respecter la loi, qui méconnaître la loi, qui fait tout bagay, même gens. Nous allons expliquer au côté que lawlessness là maintenant commencé dans la Maison Blanche. Nous avons un président qui n'a pas respecté aucune loi. Qui break everything. Everything he does is contrary to the law. Et puis, le monde continue à suivre. Qui s'est promoté que l'Amérique est arrivée dans l'étape ça? Pour que tout tire ça, non seulement Philadelphie, dans Chicago, all over. Wow. Do you know why? Parce qu'il a toujours commencé par la tête là. I want you to stay with me tonight. We're going to go into the Bible. First of all, we're going to pray for Philadelphia. Nous allons prier pour ville Philadelphie. Nous passons une semaine qu'on n'est pas gagné la paix du tout, pas gagné la paix du tout semaine dernière. Hier soir, maintenant, dans la célébration Halloween, tout côté était fermé. Everything was closed. My. This is the first time that I've seen this. The city was on a lockdown, bien que pas de curfew. T'es qu'un curfew pendant 3 jours, but you levé curfew à moun peu sorti, pas de trop moun dans la rue.
Mama, this is what the enemy does. That's what Satan does. Satan causé que maintenant la vie ou maintenant vin étroite. Satan causé que vous pas de freedom. God wants to give you a freedom tonight. Oh, glory. Hallelujah. Prenez que maintenant, il y a un monde qui va de Jésus. C'est un monde qui est esclave. Ou esclave ennemi. Mais le Seigneur maintenant, il faut triompher. Hallelujah. Paul déclare dans Romains le chapitre 8, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hallelujah. Car il laisse l'esprit de, l'esprit de vie nous a affranchis, oh glory, de la loi, du péché, de la mort. Oh, thank God for the word of God tonight. Hallelujah. Oh, papa, mais nous venons devant, dans le moment ça, dans le nom de Jésus de Nazareth. Mais nous pouvons vivre Philadelphie, bah, où, Seigneur. Il y a une ville qui t'a supposé gagner amour. Mais nous venons que la haine maintenant prend place. Lorsque nous ouvrons Channel News, nous attendons une nouvelle après l'autre. Que dans la zone, il y a deux personnes qui mourent. Dans la zone, il y a deux personnes qui mourent. Dans la zone, il y a maintenant des personnes qui stabent. Des personnes qui ont kidnappé. Oh, papa, nous connaissons que c'est le plan du diable. C'est le plan du diable maintenant pour bagaille ça arriver. Mais plan pas, le plan de Dieu, c'est pour nous aimer une autre. Le plan de Dieu, c'est pour nous supporter une autre. Le plan de Dieu, c'est pour nous marcher ensemble. Alléluia. Dans le nom de Jésus de Nazareth, même côté Philadelphie, bah ou Seigneur. Oh, mon le leader, yo bah ou. Alléluia. Mais nous protéger tout méchant, yo, tout criminel, yo, tout ça qui a fait mal. Dans le nom de Jésus, que l'Esprit de l'Éternel désarme, yo. Alléluia. Désarme, yo, retire les âmes dans le poignet, yo. Retire, amen. Revolver dans le main, yo. Mais fais Seigneur, on va avoir un cœur qui va comprendre, alléluia. On va mettre sensibilité de cœur. Oh, pour y regarder, pour y voir comment que temps difficile. Et comment que bien aimé ça, qui gagne business. Comment que difficile pour y pour qu'il y ait business là. Et voir maintenant, pour mes chers à casser, voler tout ça, au gagner. Assurez nous demander la paix. Nous connaissons que lorsque bagaille ça vous fait, c'est lorsque le péché régné, premièrement. Et deuxièmement, lorsque Satan a gouverné. Mais dans le nom de Jésus, nous prions, Père. Alléluia. On va déléguer Michael. Oh, alléluia. Oh, amen. Bras droit, l'Éternel, la gloire à Jésus. Il va descendre dans la ville Philadelphie. Il va arrêter tout démon, tout esprit de meurtre, tout esprit de corruption, tout esprit de drogue, tout esprit maintenant de kidnapping dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Il va bâtir la liberté. Nous prions au Seigneur pour ce monde. Qui va te connaître dans la ville ça, qui va passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Mais l'heure arrivée pour serviteur présenter parole. Moi, nous va toucher le cougna au nom de Jésus. Spirit of the living God, I call upon your name right now. I surrender myself under your mighty power. I am available to you. Please use me as a vessel of honor to your name's sake. Hallelujah. Father God, I am limited in knowledge. But I know you have the power. You know it all. Father God, I pray, moi prie pour diminuer, afin que vous-même va augmenter dans la vie, dans le nom de Jésus. Servez avec moi, Seigneur. Couvrez-moi même de la tête aux pieds. Give me more to answer so I can speak a word of wisdom in the life of those who's watching this program tonight. And your name shall be glorified. I pray that you will visit everyone from this audience tonight. And everyone that is under the sound of my voice, let them hear a word from you, O God. We are available to you. Holy Ghost, come in right now. Take control of everything that we're about to do. In the mighty name of Jesus, I pray. Servez avec moi, Seigneur. Couvrez-moi sous l'ombre de tes ailes. Dans le nom de Jésus, ma prière. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, ma. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless your name, Father. And I bless your name, Jesus. My Jesus, we call upon your name, Lord. Please come on and take control. Bless you, Father. Hallelujah. I glorify your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, hallelujah. Amen. Je bénis le Seigneur maintenant pour présence les dans la vie. Et dans le jour, dans le dimanche après-midi, nous déclarer. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie en Jésus-Christ. Amen. Et moi, remercier tout bien-aimé qui me tient dans branché. Moi, je fais tout la paix du Seigneur, mon aimé, dans l'amour de Dieu. Et nous comptons. Et moi, qui est intéressé dans les choses de Dieu, c'est ça qui est mon cœur pour mon Dieu. Amen. Moi, qui est intéressé, côté que parole, bon Dieu, a distribué, c'est moi qui choisit le Dieu. Alléluia. À ce moment-là, il faut qu'on ait que mon aimé. Je suis content pour la communion que je suis avec vous-même. Et parce que nous comprenons ensemble, dans l'esprit d'unité pour nous chercher Dieu. Alléluia. Et selon les écrits de Jérémie, le chapitre 29, le verset 13, écoutez que le Seigneur était recommandé, il était dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Alléluia. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, assurez-vous, nous voulons parler. Et bien, sujet, nous voulons commencer maintenant avec sujet ça, introduire sujet ça ou même, qui c'est lawlessness. Lawlessness. We're going to talk about lawlessness. Nous définissons maintenant, the word lawlessness is defined as to be lawless, is to be contrary to the law, or to act without regard to the law. Yon moun maintenant qui est lawless, cela veut dire que c'est un monde qui pas, qui méconnaît la loi. Maman, ouais, je dis à maintenant, on n'est pas capable de vivre pour méconnaître la loi. Nous voyons que si nous voulons jeter des regards rétrospectifs, mes bien-aimés, dans les écrits maintenant de l'Ancien Testament, après la délivrance des enfants d'Israël et leur traversée de la mer Rouge, nous voyons que Dieu était bâillé la loi. Alléluia. Car Dieu avait voulu maintenant faire de ce peuple maintenant une nation. Donc, comment on est capable maintenant de juger une nation s'il n'y a pas de loi? Donc, il faut tenir la loi maintenant. Qui te loué bas avec nation, ça peut être qu'on est, loi maintenant lui joue un rôle très important, ça que vous devez faire et ça que vous ne devez pas faire. Donc nous voyons que maintenant, il y a un monde qui, amen, il y a un monde qui lawless, c'est le mot anglais, il y a un monde qui lawless, c'est un monde maintenant qui est contraire à la loi, qui n'est pas cruel à la loi. Nous voyons que nous sommes capables de prendre maintenant quelques exemples naturels pour nous expliquer maintenant le monde qui a conduit machine, qui prend lumière rouge à l'aise. Moun ki pa camper dans stop sign. Lorsque maintenant gen accident, moun sa ou gen tendance, yo kapab mourir. Il y a possibilité de mort. Lorsque il y a la présence maintenant, amen, de lawlessness spirit, cela veut dire que yon moun ki agit contrairement à la loi, gen possibilité maintenant pour moun sa mourir. Parce que raison à la loi bail, la loi établie maintenant pour capable protéger nous. Oh, glory, hallelujah. Donc, on a dit encore que lawlessness is to be lawless, is to be contrary to the law, and to act without regard to the law. Amen. Et lorsque l'attitude ou agit maintenant en dehors de la loi, or you disregard the law. Nous voyons que dans le monde ça que nous vivons aujourd'hui, non seulement dans le monde naturel, mais dans le monde spirituel, la loi est toujours nécessaire. Glory to God. Hallelujah. Donc, il y a des gens maintenant qui disent, selon leur niveau de théologie, ils répètent que, well, je veux dire, l'église n'est pas en bas la loi encore. Well, docteur, je vous répète. Et lorsque je fais émission, maintenant, toujours bien de grands théologiens maintenant qui suivent nous, et moi, merci le Seigneur pour ça, moi, béni mon Dieu. Et si ma Dieu, bagaille qui compte, on doit, amen, corriger. Well, l'église maintenant n'est pas en bas la loi cérémonielle.
Mais l'Église maintenant bat la loi, parce que selon les écrits de Paul dans Romains le chapitre 8, le verset 1er, Paul dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie, amen, vous libérez maintenant de la loi cérémonielle, vous libérez maintenant de certaines lois mosaïques, mais maintenant, on a l'autre type de loi, amen, qui c'est la loi de l'esprit de vie. Oh, glory. Alléluia. Donc, je veux dire maintenant, dans tous les domaines, mes bien-aimés, qui existent, la loi joue un rôle primordial. Alléluia. La loi est nécessaire in a sinful world. La loi est nécessaire dans un monde maintenant de péché. Oh, alléluia. Dans 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 9, laisse-moi aider. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 9. Gloire à Jésus. Let's read that, you know, et comme verset maintenant d'introduction, non? Puisqu'on a parlé concernant maintenant lawlessness, qui c'est le mépris de la loi. Lorsqu'il y a un monde lawless, cela veut dire que mépriser la loi. La loi n'a pas de valeur pour lui-même. Il n'a pas obéi choisi pour lui pas obéir la loi. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 9. 1 Timothée, chapitre 1, verset 9. Paul dit que, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. Les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, maman, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, le verset 10, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Oh, glory. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis content pour la parole de Dieu. La parole de Dieu fait lumière. Amen. Ouais, dans les États-Unis, maintenant, nous venons que nous rentrons dans la période Black Lives Matter. Nous venons que pendant un nombre de temps, côté que il y a plusieurs controversies qui existaient maintenant dans le système police, policing in United States. Je dis maintenant Black Lives Matter est venu comme maintenant une organisation pour capable maintenant produire la conscientisation maintenant dans le système maintenant et de policing et pour rendre que capable maintenant de gagner plus de considération qui baille lorsque mon noir mourit. Mais il y a pile mon noir maintenant qui mal comprendre Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter, c'est pas vous, il voyez moun maintenant à casse-caille. C'est pas vous, il voyez moun maintenant à tuer moun. Ou est supposé respecter la loi. Amen. Ou si vous respectez la police. Nous voyons que, en pile monde maintenant, pense que police n'est pas des serviteurs de Dieu. Oui, police, c'est serviteur de Dieu. Alléluia. Oh, maman. Les pasteurs, c'est l'autorité que Dieu établit dans le royaume de Dieu, sont le type d'autorité. Alléluia. Dans Romains, le chapitre 13, Paul dit que toute personne soit soumise à l'autorité établie. Alléluia. Amen. Amen. Ou lorsqu'on ignore la loi, et qui est ce monde qui a ignoré la loi? Maman, nous n'ignorons pas que la loi, Paul dit que nous pas ignorer que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Alléluia. Mais bien aimé, à nous penser, est-ce que vous pensez que dans le ça, durant la période pandémique ça, avec qui conscience maintenant, pour yon moun al kase magasin au monde, avec qui conscience maintenant pour aller craser Walmart dans le quartier que tu habites? Avec qui conscience maintenant pour aller faire tout dégâts ça yo? Bombe maintenant en banque. Mettez bombe dans ATM. Avec qui conscience maintenant pour aller avec les revolvers sous police dans la rue? Il y a fait job yo, il y a bail protection, bail sécurité. I thank God tonight for the policemen. Je remercie mon Dieu maintenant pour firefighter yo. Je remercie mon Dieu pour docteur yo. Je remercie mon Dieu pour nurse yo, pour infirmière yo, pour ça qui nan front line. Yo gen famille même j'ai avec nous.
They're not going around killing people, mais faut faire défense. Now I want you to understand que a pile moun mal interprété Black Lives Matter. Black Lives Matter is a very great organization. They are doing a job, mais message que yo projeté là, des moun qui mal comprennent message là. Message qui est projeté, c'est pas un message côté que vous voyez moun à dérespecter la police. C'est même jamais que lorsque le président Aristide en Haïti me rappelait, m'était introduit maintenant le système de la démocratie en Haïti. Waouh! Aristide maintenant un homme éduqué. Il était au courant maintenant de la définition du mot démocratie et de ce concept maintenant qu'il voulait introduire dans ce pays. Maintenant, le problème qui était posé, c'est que Haïti maintenant pas préparé pour la démocratie. Parce que raison là maintenant, il y avait un problème d'éducation qui existait. Donc maintenant, le peuple va comprendre. Il m'a rappelé maintenant de ça dans Haïti, que lorsque il a parlé de démocratie, il a pensé que je ne vais pas jouer maman police, je ne vais pas jouer maman coute là, je ne vais pas jouer maman police là, je ne vais pas dire on sait deux mots. Non, 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 non. Ce n'est pas maintenant la définition du concept de la démocratie. Et maintenant, il ne peut jamais y avoir de démocratie là où il y a maintenant une carence d'éducation. Côté moun pas éduqué, moun pas éclairé intellectuellement, ils n'ont pas maintenant pas qu'à comprendre sa crée démocratie. Jusqu'à ce temps, maintenant, ce sont les mêmes attitudes maintenant qui sont encore sur place. C'est même gentil maintenant, Black Lives Matter, maintenant, il est introduit, maintenant, sur la scène. Mais maintenant, surtout le peuple noir qui est oppressé pendant si longtemps pour qu'on comprenne maintenant qui ça, what Black Lives Matter stand for. Yo pas là, yo pas jamais voulu tuer monde. They don't send you to kill people, but they want to defend your rights pour bao même droit. You see, Black Lives Matter stand so the white can have the black person can have the same right as the black person. Or the white person. Pour noir la capable de même droit avec maintenant moun ki blanc dans pays hein? Parce que nous pas plusieurs américains mais nous avons seul américain. Nous relève the United States of America. Well, l'esprit lawlessness it is from the devil. Hallelujah. Et nous voyons maintenant qui attitude comment que l'esprit lawlessness manifesté. Oh my man. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. Ouais, je veux dire, l'esprit lawlessness là dans l'église, nous y a. Il y a plus de monde qui a rebellé, il y a monde qui a fait revendication sur les droits, qui a pu maintenant craser l'église, qui a fait une série de bagailles. Pensez que c'est normal pendant qu'il a attiré le jugement de Dieu sur eux. Il a attiré le jugement de Dieu sur famille. Sans le savoir. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et le fait qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité de Dieu, parce que l'amour de la vérité de Dieu produise en vous maintenant la soumission et l'obéissance. Oh, glory. I hope I can teach this thing. Comment on va venir pour me faire contexte de personnalité? I don't come to do this. Enseignement docteur mon Dieu va tout le monde qui ca recevoir le va tout le monde qui veut entendre et la have no problem parce que m'pa venir pour monde qui gantan connaît déjà monde qui bon yo you know même Jean Jésus dit m'pa venir pour monde qui guéri même venir pour monde qui malade. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer mais venir mais c'est pas de la loi sur la terre comment la terre tapier pour quelle raison la loi là pour quelle raison police là yo là maintenant pour établir l'ordre. Alléluia. Parce que maintenant la loi établie maintenant pour punir les méchants, pour punir les rebelles, il y a des gens rebelles. Maman, la loi là maintenant pour lui maintenant corriger les impies, les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu, bienheureux. L'évangile qui m'a été confié. Donc, Paul maintenant outline. Amen. Pour quelle raison que nous besoin la loi? Alléluia. Oh, glory. Ouais, loi, ça, maintenant, c'est pas la loi mosaïque. Alléluia. Mais Paul relève la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Qui c'est cette discipline qui établit
Comment maintenant pour un saint capable vivre? Comment pour marcher? Qui attitude qu'on doit gagner maintenant face à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Pendant que Paul est outline maintenant dans l'être qu'il écrit à Timothée, nous voyons que à travers tout mot que tu as cité, lit maintenant cité l'application de la loi dans tout domaine, dans le domaine religieux, dans le domaine maintenant spirituel, le domaine maintenant, le domaine de la famille. Eh bien, je veux dire, nous voyons un petit monde qui maintenant rebelle. Ouais, c'est l'esprit lawlessness qui l'a caillot. Nous voyons un pile monde maintenant qui a le travail. Mais vous ne pouvez pas suivre la police de travail là. Vous toujours voulu faire affaire par eux et vous révoquer au Saint-Job. Parce que vous n'avez pas qu'à marcher selon la loi. Ouais, la loi c'est tellement important dans tout domaine. Lorsque vous allez en compagnie, par exemple, que vous avez premièrement, dans la première semaine, premier jour qu'on rentre, vous chita avec vous pour vous police de compagnie. Police de compagnie, c'est sept de loi. Côté que ou doit abaye. Ça veut dire que maintenant on doit marcher selon policy, selon loi, compagnie. Ou pas qu'à aller au-delà. Ou pas qu'à aller ailleurs. Mon doit marcher règle sur règle et précepte sur précepte. Ou la société aujourd'hui maintenant, côté que le diable maintenant travaille pour mener le rivière, son société maintenant côté que va devenir no man's land. Ça veut dire que maintenant l'homme pas respecter la loi encore. L'homme va maintenant faire riot, il y a répété tout, il y a volé son gain et ou pas qu'avant rien avec ça, il y a tué ouais bon Dieu maintenant lui-même il pas voulait comme ça. Hallelujah. Hallelujah. Oh thank you Jesus. Hallelujah. I come against the lawlessness spirit tonight in the name of Jesus. I pray that the people of God will learn to obey the laws of God. Hallelujah. God wants you to be obedient, glory, to his laws. Amen. Ouais, Dieu a voulu, chers amis, que nous soyons des enfants obéissants. Hallelujah. Il a voulu maintenant que nous ayons une attitude soumise à ses lois et à ses paroles. Hallelujah. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1er, verset 19, il dit, si vous êtes docile, oh glory, si vous êtes obéissant, hallelujah, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Mais si vous êtes rebelle, if you are a lawless person, maman, si vous êtes rebelle, la Bible dit que vous serez dévoré par le glaive. Oh, hallelujah. Lorsque nous avons maintenant évalué la situation qui fait dans Philadelphie, mais évalué maintenant bagage 4% dans l'église, et moi dit, ouais, le Seigneur me comprend. Il me comprend maintenant. Moi, l'esprit, son préparation qu'a fait son plateau. Amen. Pour introduire maintenant de lawlessness spirit. Lawlessness spirit maintenant, c'est retirer de la présence de Dieu. C'est pour méconnaître votre créateur. Et nous voyons d'appuyer le monde qui est docile. D'appuyer le monde qui parle, mon Dieu. Jean 1er, amen. Et la Bible dit que la parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Après-midi, on est venu pour dire aux amis captandem. Oh, hallelujah. Si maintenant on est docile, si maintenant on est rebellé à la parole de Dieu, si vous rebellez maintenant à l'évangile du salut, alléluia, vous serez dévoré. Et bien, une place que le Seigneur réserve pour vous-même, maman, c'est l'enfer éternel, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alléluia. Pas de monde qui a sauvé là-dedans. Pas de avocat, pas de maintenant zami, pas de frère, pas de soeur. Amen. Amen. Ou pral aller. La Bible dit que ils iront maintenant au châtiment éternel. Asweya. Alléluia. We need to change our attitude. Alléluia. Nous devons changer attitude, nous. Nous devons ajuster attitude, nous. Non, maintenant, pour nous, peuple, maintenant, qui a revendiqué tout le temps. Mais vous avez besoin, amen, d'être des enfants obéissants de la présence de Dieu. Hallelujah. Parce que il y a une bénédiction lorsqu'on obéissant. Il y a une bénédiction lorsqu'on pas pratiquer la rébellion. Ouais, plan dans l'esprit lawlessness là. Psychologique de lawlessness. Lorsque un monde rebelle, amen, il est méchant. Ouais, le diable fait qu'il est méchant. Il retire maintenant tout, amen. Toute sensibilité dans le cœur. Ou pas gagner amour dans le cœur pour personne. Si un monde mourit, c'est pas fait par ça. Si vous faites le mal, il mourit ou pas gagner dans le cœur. Oh, maman. La Bible dit que le cœur de l'homme, le cœur de ce peuple, est devenu insensible. Alléluia.
Your heart has been desensitized. Amen. To God and to the laws of God. Hallelujah. Après midi, nous attendons les besoins du Seigneur. Comme ça a été la prière de David. Lorsque David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut changer le cœur. Oh glory. Le Seigneur veut bonjour le cœur. Alléluia. Il veut bonjour l'autre attitude. Glory. He wants you to be a new creature in his presence. Alléluia. Oh merci Seigneur. Le Seigneur veut transformer cœur de pierre. Amen. Coréen. En un cœur de chair. That's the word of God. Ça, c'est la parole de Dieu, ma pensée, là, oui. I'm teaching you the word of God. I don't come to teach you something sugar-coated. Amen. Il y a plein de bagailles maintenant, Jésus, et moi, Jésus. Mais Dieu, ce Dieu que nous servons, est un Dieu de loi, un Dieu de principe. Hallelujah. Hallelujah. Vous pouvez imaginer lorsque lawlessness spirit entre dans le monde, vous crasez propre communauté par, vous crasez propre l'église par, ou craser propre ministère par, ou craser propre tête par. Parce que maintenant, it's a foolish spirit. La Bible dit que, amen, femme sage là, bâtit maison, mais femme insensée, elle est renversée. Maman, maman. Ou après-midi, maintenant, le Seigneur veut délivrer from the lawlessness spirit. I hope somebody is listening to these words tonight. Hallelujah. Hallelujah. Nous voulons que, the word lawlessness, amen, qui en anglais, li traduit dans la Bible maintenant, li traduit dans la Bible par le mot iniquité. Hallelujah. L'iniquité maintenant, qui s'allie, according to the Bible, the roots of lawlessness is rebellion. La racine maintenant de la méconnaissance de la loi. Voyez un monde qui a iniquité, c'est un monde maintenant qui voulait, qui pas voulait servir mon Dieu. C'est un monde qui raille les choses de Dieu. Amen. Et je dis maintenant, sous ta Dieu, mon Dieu, ça va accepter que du coup, elle, c'est pas vrai, m'a raillé mon Dieu. Même si je pas besoin d'un protestant, m'a changé de religion. Non, 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 non. It's just a cap out on excuse. C'est excuse qu'il y a. Ou dans l'iniquité, lorsque vous méprisez le sacrifice qui a été fait à la croix. Ou dans l'iniquité, ou dans la méchanceté, lorsque maintenant vous rejetez créateur. Maintenant, pour aller servir des dieux étrangers. Wow! Jeudi 1er novembre, ça n'est pas des bagages qui ont fait en Haïti. Ce n'est pas des gens même aux États-Unis maintenant. Amen. Cap, relever vœu avec Satan. Il y a des gens qui font pacte avec la mort. Il y a des gens qui font pacte avec maintenant. Amen. Ces esprits maintenant de destruction. Comme expliqué la fois dernière, ma Dieu se redit encore. 31 octobre, c'est l'année. Ces premiers jours, maintenant, c'est le nouvel an dans le royaume du diable. Non, maintenant, joue ça. C'est joue ça, Satan, maintenant, personnifié lui pour descendre parmi les humains. Pendant presque toute année, maintenant, lui visité maintenant par des esprits. Maintenant, joue ça. Amen. Oh, mama, this is big. Lui personnifié. Par exemple, il y a plusieurs églises qui achetaient. L'église a maintenant moun sa ou gagné plusieurs businessmen acheté des buildings, mais c'est loué ou loué. Nan jour pour nan jour, 31 octobre jusqu'à 1er novembre, côté que maintenant, gen moun sataniste ou loué ou l'église. Et puis maintenant, gen business côté ou fait business trône. Côté que ou loué ou trône. Et ou mette trône nan en or, ou fait toute cérémonie. Pendant maintenant, toute année, il y a plusieurs jeunes filles qui ont kidnappé. La police n'a pas joué. Well, ils n'ont pas cherché, ils ont dit qu'ils n'ont pas joué. Missing person. Mais il y a plusieurs jeunes filles qui sont vierges. Ils ont serré maintenant pour faire sacrifice humain. Humain pour offrir à Satan dans le jour. Il y a des gens qui ont maintenant jeunes garçons qui ont tué pour boire sang. Côté que dans la cérémonie, ça, côté que les gens sont réunis maintenant, ils ont chacun coupé sang pour boire. So they can have more power. Nan jou célébration, ça c'est là maintenant. Moun ki nan moun satanique la pour promotion. Pour yon vin gen plus puissance. Mon seul de bagay ki fait. Mama. Mais je dis à maintenant, moi, avec nous libérer de bagay sa yo. Hallelujah. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Ouais, dans le jour 31 octobre, 1er novembre, 2 novembre, c'est jour ça que tout esprit générationnel a cherché parce que grand-papa mourit, grand-maman mourit, a cherché côté pour y rentrer pour le monde venir servir. Maman, ils ont fait, moi t'ai dit la fois dernière, moi t'ai dit que maintenant, besoin de la caillou, besoin de porte la caillou. Alléluia. Parce que la Bible déclarait, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, oh glorieux, repose à l'homme du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Lorsque un monde rebelle, lorsque un monde raille l'évangile, lorsque un monde raille le ministère de Dieu, lorsque un monde raille le ministre de Dieu, ou pas besoin qu'on ait trop de lui, non? Ou déjà qu'on ait l'esprit dans lui, il y a l'esprit lawlessness. Parce que maintenant, l'esprit lawlessness est l'esprit d'iniquité, qui maintenant manifesté par la méchanceté, et maintenant définition iniquité, lui maintenant dérivé, lui venant racine, par la mot, par le mot, excusez, rébellion. Maintenant, rebelle, m'bap obéi, m'bap tende, m'bap chita, m'bap tende, m'bap, ou pas qualifié maintenant pour prêcher, ou pas qualifié pour dire rien de moi, qui est-ce, you? Qui est-ce, qui est-ce, maintenant pour camper devant moi, m'bap tende, m'bap obéi, à sordi. Ou on a vivre dans un temps qui est différent. Amen. Ou lorsque le roi syrien, te voyez maintenant, il y a un lieutenant dans l'armée avec 50 soldats, vient arrêter Élisée. Élisée, quand il regarde, monsieur dit, il regarde, il dit, si monsieur serviteur l'éternel, que Dieu fait tomber sur 50 mounsaïo. Avec tout capitaine, non. Et puis, Dieu fait prendre sous yo. Mais je tiens à vivre maintenant de la, sous la dispensation de la grâce de Dieu. Mais bon Dieu, amen, ça bat l'homme maintenant en pile lioué, mais bon Dieu travaille dans l'autre dimension. Amen. Dieu va presser. Il prend temps, il prend corde, mais il va aller quand même. Alléluia. Parce que parole, il va aller sans le pas faire effet. Alléluia. Parce que pour les rebelles, pour ça, me connaître la loi, pour le monde qui toujours fait l'obéir dans l'église. Moun ki toujours maintenant, c'est Kabouya, moun ki c'est maintenant Marie-Jeanne, moun ki ceci, qui cela. Ou besoin qu'on est que, waouh, ou a opéré en bas contrôle l'esprit iniquité. Et maintenant, iniquité, maintenant, Dieu raille ça. Mama. Mama. Merci à plus que Dieu, même mon Dieu, ils sont Dieu de miséricorde, ils veulent délivrer. Ils veulent sauver. Alléluia. Oh, mama. Quittez maintenant, continuez. There are many causes of lawlessness. Il y a plusieurs causes qui font moun agir maintenant avec l'esprit de méconnaître la loi. Qui fait moun maintenant lawless. Ça veut dire que grand pile cause qui fait moun fait iniquité, qui devenu des ouvriers iniquité. Premièrement, première raison fait moun devenu lawless, c'est lorsque moun a un désir, desire of power. Lorsque moun a besoin de position. Li wel pas qualifié pour position. Il n'y a pas de capacité, pas de vertu pour lui. Mais guess what? C'est ça, il n'y a pas de vertu. Il fait un bagage qui mal. S'il a tué, il a tué. S'il a maintenant fait un bagage qui mal, la folie, pour qu'il arrive côté de l'arrivée. Et c'est là, maintenant, dans l'église, nous avons toute division qui fait tue. Plusieurs frères, maintenant, t'as des pasteurs, ils ont maintenant divisé l'église. Ils ont fendu l'église en deux. Ils ont crasé. Et puis maintenant, ils ont lagué le pasteur sous deux rangs. Et puis maintenant, ils ont un groupe monde, parce que y a des gens qui parlent de la connaissance. Réaliser ça, oui. Moi, je dis qu'on bon monde maintenant qui parle de mes connaissances. Il n'y a pas dit la monde qui a connaissance. Depuis un pasteur qui a connaissance ou qui a un niveau et même intellectuel ou qualifié ou qui a difficulté pour deal avec haïtien. Parce que haïtien et mes monde maintenant pas en pile. C'est pas tout. Non, en pile haïtien et mes monde maintenant pas qu'à la Bible. Qui a belle tête en bas devant eux. Parce qu'ils ont le même niveau de sécurité qui va. Voilà, tu vois. Il me dit ça sincèrement, son erreur que lui. Si on aveugle, on conduit aveugle. Tous les débrouilles tombent dans le même tout. Je ne vais pas chita devant un pasteur maintenant qui va pas plus passer. Ouais, ah oui, c'est là. Je ne vais pas chita un pasteur maintenant qui n'a pas plus qualité, maintenant ministériel plus que moi. Parce que ça, je vais moi. I need a man of God who has more than I do so he can teach me. Amen. Je ne vais pas n'importe monde, je vais chuter devant n'importe monde. Je vais aller à l'église n'importe monde, je ne vais pas prêter aux oreilles, je ne vais pas faire tout.
m'attendre n'importe monde sur Facebook. I don't ask deal openly. On doit chita au devant monde me tourner qui choix pour instruire moi. Mama. Alléluia. Si on avait à conjo avec tous les deux va tomber dans même tout. Moi je dis à des monde maintenant qui besoin, il va avec pour conduire yo. Parce que une nous. Ouais, on besoin monde qui compte plus passer. On besoin monde qui kembe Bible nous l'autre dimension plus haut que ou même. Mama. Alléluia. Il se pas que monde n'a trouvé nous environnement maintenant. Là, maintenant, il y a la connaissance, et maintenant, la lumière de la parole de Dieu, li uncomfortable, premièrement, parce que li beaucoup libéré, li beaucoup affranchi par la loi de l'esprit de vie. Alléluia. En Haïti, maintenant, vous songez, papa, qu'on a pris exemple ça, yo, le la prêché, pasteur des amants, qu'on a dit que, well, après, le monde va vous dire la monde, maintenant, qui ont connaissance, qui est plus haut que vous-même, parce qu'ils ont pas appelé pour vous. Pour les gens qui ont connaissance dans vos lettres. Waouh, c'est une aberration. Ouais, maintenant, Dieu va pas dire avec les gens qui ont connaissance parce que maintenant, il fait provision. Alléluia. La connaissance, maintenant, c'est dans l'esprit que Dieu voulait que pour nous gagner. Alléluia. Selon Isaïe, chapitre 11. Amen. Chloé. Où Dieu pourrait recevoir l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance. Amen. Amen. L'esprit de la crainte de l'éternel. Alléluia. On a vécu longtemps côté que la connaissance. L'idoué, maintenant briller, même avec soleil là. Oh, glory. Hallelujah. Ou une raison faire, amen, que moun sa yo krasé Philadelphie, krasé Storio, c'est parce que maintenant, y a pile nan moun noir sa maintenant, qui pas qu'on sacré les gens business. De never own a business, pas qu'on est maintenant qui difficulté, qui ont moun traversé pour le gens business. Mais ou ta remen gen. So, c'est par l'envie, par la jalousie qui fait au fait. Et c'est le diable qui inspire au bagay ça. Mama. Deuxièmement, ici, moun inspiré de l'iniquité, lorsque moun nan need of wealth, moun nan ta remen posséder, li gen ville, ta remen posséder sa intel gen. Nan, mais c'est moi-même qui gon Walmart, nan, mais c'est moi-même qui gon CVS, même pas gen. So, si m'ka krasé par moun nan ma fèl. C'est moi qui t'a remen, c'est moi qui t'a doué pasteur l'église ça. Puisque m'a pasteur maintenant m'a crasé, m'a parlé mal, m'a jeté au propre sous lui. M'a dit vieux bagage sous lui pour moun pas venir pour ministère crasé, mais mon Dieu frappe pour tout. Le jugement de Dieu pour le frapper. Maman, parce que sans semer ce soir après quoi avec l'amour au pouvoir de la langue et la vie et la mort la donne. Maman. Car ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera. Oh maman. Gemoun maintenant qui agit dans l'iniquité, c'est parce que maintenant il y a une mission politique. Il y a une mission politique maintenant pour produire oppression. Ou un groupe moun maintenant qui t'a préparé pour faire kidnapping dans Michigan, pour kidnapper maintenant le gouverneur de Michigan. Ouais, they have a political agenda. Ou est-ce l'esprit maintenant de lawlessness spirit? Ça produit maintenant lawlessness dans la vie, mon encore, c'est need for change. Des gens qui sont frustrés avec Jean la vivre là. Des gens qui sont frustrés avec situation. Donc, il fait des choses qui sont terribles maintenant pour attirer l'attention de notre monde. D'après l'autre cause maintenant que je ne vais pas le citer parce que je ne vais pas le guetter. Assurez le Seigneur de délivrer vous. De lawlessness spirit. Il veut délivrer de l'esprit d'iniquité, l'esprit de rébellion. Assia, nous allons maintenant lire un chapitre pour même dans Jérémie, le chapitre 17. Alléluia. Oh, let's go into the book of Jeremiah, chapter 17. Alléluia. Côté que l'esprit lawlessness a fonctionné dans la vie de l'humanité aujourd'hui. Hein? Amen. Jeremiah chapitre 17. Amen. En plus, le monde voulait rester loin, mon Dieu. Et c'est plein d'ennemis qui font penser comme ça. Qu'on est que sous rester loin, mon Dieu, pour le périr. Maman. Ouais, le Seigneur maintenant suscite des hommes de Dieu que vous voyez. Hallelujah. Avec la parole de Dieu dans son oreille. Amen. Pour faire qu'on ait des chances de restitution, gloire. Des chances maintenant pour ne pas périr. Hallelujah. Amen.
Ouais, je dis à l'homme maintenant vivre dans l'état d'iniquité, lawlessness. Ils ont refusé d'avoir une relation avec le Créateur. Ils sont ennemis de Dieu. Bon, sous ces ennemis, bon Dieu, comment c'est arrivé? Quand une maladie qui a frappé mon Dieu, j'ai avoué, maladie maintenant COVID-19. Qui s'allie? Est-ce qu'on pense mon Dieu maintenant pour maladie qui a campé devant? Why Dieu pas fait intervention? Parce que maintenant il y a le jugement de Dieu qui a frappé l'humanité. Quand Dieu a voulu maintenant attirer l'attention de l'homme vers lui, vers lui-même, mais l'homme maintenant pas voulu ça. Il dit bon ok, we gonna ma prière garder pour moi ça n'a fait et puis mon a continué mourir. It's over 230,000 people aux États-Unis seulement qui mourent. Mais il y a maintenant a annoncé un autre spike et dans la période maintenant winter. Il y a maintenant le docteur a bien pile pronostic maintenant pile bagage jusqu'à ce que pas grand monde qui vont cure. Why? Parce que là c'est jugement bon Dieu maintenant Dieu bloqué intelligence l'homme. Mama. Alléluia. Mais assurez maintenant si vous voulez délivrer de la rébellion. Vous voulez délivrer de l'iniquité. Vous voulez délivrer de la méchanceté. Alléluia. Amen. En acceptant Jésus-Christ comme sauveur et maître personnel dans la vie. Oh, glory. À partir de dimanche soir, ça, nous pouvons garantir dans le nom de Jésus, votre vie sera transformée. Oh, glory. Vous deviendrez une nouvelle créature dans la présence de Dieu. La protection de Dieu sera sur vous et sur votre maison. Alléluia. Dieu maintenant enverra des anges maintenant qui seront à vos côtés. Oh, maman. Dans les moments les plus difficiles, dans les moments de désespoir, dans les moments de difficulté, dans les moments de ténèbres. Alléluia. Ces gens-là, ces anges-là, ils seront là maintenant pour vous protéger. Quand la Bible déclare l'ange de l'Éternel campe autour de ceux, oh hallelujah, qui le craignent et les arrachent au danger. Mais si vous décidez maintenant de le révéler, maman, ou pas qu'on soit pour l'année qui va venir, I'm sorry to say. Amen. Connaît que patience, mon Dieu, li longue, mais mon leur bras fini quand même. Bien que nous chantons miséricorde, mon Dieu, pas que j'aime fini. Well, miséricorde, bon Dieu, qu'on l'a pas fini. Hallelujah. L'époque fini, qu'on y a une chance, toujours, amis. Oh, glory. Alors, c'est la Bible dit, puisque n'a parlé de la rébellion. Hallelujah. Après, le monde décide, pas besoin de créer, pas besoin de l'éternel, pas besoin de l'évangile, pas besoin de même, pas besoin de l'église, mon, pour mal payer la dîme, bon, mon, qu'est-ce qu'il besoin de dire, mon? Who needs that? Personnellement, mon Dieu, béni, ma Seigneur, I don't need your tie, I don't need your pain. D'ailleurs, payer la dîme maintenant son connaissance que lié, payer la dîme dans l'église, what it is, it's an expression of, c'est une expression maintenant de reconnaissance. Alléluia. Pour ça, mon Dieu fait pour même. Là, on m'a la dîme l'église, dit pas de ici. On m'a la dîme l'église. Maintenant, est-ce qu'on a payé pour la vie qu'on gagne? Est-ce qu'on a payé que maladie COVID-19 n'a pas été fiel ou, n'a pas été fiel petit ou, mais maintenant, on va vivre toujours, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Si vous arrivez à l'église, maintenant, on 50 dollars, on 100 dollars, on 125 dollars, maman. David dit maintenant, comment rendrai-je à l'éternel pour ses bienfaits? Oh, I'm preaching the word of God. I'm preaching the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. On ne va pas à l'église mal payer la dîme, mon monde. On ne va pas à l'église mal payer mortgage pour pasteur. I tell you what, but who needs your money? Who wants it? Who wants it? I don't know. Docteur, on ne joue pas faire folie pour ça. I don't know. Ma campé pour me dire ça, je vais me dire avec la parole de Dieu. Qu'on veut prendre, ou sinon prendre, ou sinon marcher pour sous, that's it. Quand le capitaine, on sait pour ça, on a besoin, mais docteur, on n'a pas besoin. I don't need it from you. I don't need it from you. Parce que l'homme a élu maintenant, c'est pas mon bali, c'est mon Dieu a élu. C'est pour les choses de Dieu. Hallelujah. L'homme, ma message est pour tout pasteur lié, oui. Là où c'est bail l'argent l'église. Alléluia. C'est expression, reconnaissance envers mon Dieu. Alléluia. Le Seigneur est pas de malheur, pas quitté ennemi, un peu fiel ou. Il pas quitté expédition en Haïti, maintenant rentré. Pendant ou même ou en Haïti, il y a famille, propre famille ou qui derrière vous pète fiel ou. Mais le Seigneur vous a fait grâce. Alléluia. L'homme a dit, l'église, le Seigneur protégé de devoir. Alléluia. L'estable de devoir from devouring your wealth. Les empêcher tout ange, tout parasite qui a volé son gain. Les empêcher maintenant sous son gain. Donc, vous avez dit maintenant, for your own sake. Oh, glory. De la parole de Dieu maintenant dans Jérémie 17,
Le Seigneur maintenant t'a maintenant expliqué concernant l'attitude d'iniquité de l'homme envers son Créateur. Il dit ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous n'avez pas une bénédiction, mais son malédiction. Il is a curse lorsque on rébellion avec le Créateur. Et qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Alléluia. As you as a mean, you know, we have to tell you the truth. It is not my word, I'm just the messenger. But I come with the word. Alléluia. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Amen. Où est-ce qu'on a iniquité? Ou mépriser le Seigneur? Je dis à quelqu'un qui méprise le Seigneur maintenant pour y aller mettre un rad noir sous yo. Pour y aller mettre un danser guédé. Gen moun maintenant, au lieu de faire croire le temple de Dieu, qu'a fait croire maintenant l'habitation de Digédé, on vient l'esprit descendre encore. Gen moun qui mettait, et même piment dans la partie vaginale, yo pas respect, qui mangeait dans la bouche, qu'a fait un bon tête, qu'a mangé maintenant, mousse bouteille. Alors que, oh glory, corps c'est le temple de Dieu, la Bible dit que Satan pas créé, he is not a creator of anything, anything good at all, mama, anything at all. Mais Dieu est le créateur. La Bible déclare l'Éternel Dieu de Genèse, oh glory, alléluia. Le chapitre de l'Éternel Dieu forma l'homme, amen, de la poussière de la terre, glory. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, alléluia. Allez là, vous prenez quoi mon Dieu, bah oua, amen. C'est lui créé, ou à porter le bail Satan, ou à marier avec couleuvre, couleuvre, si vous êtes marié à couleuvre pareil. L'homme, si vous aimez maintenant, bon Dieu crée l'homme et la femme. Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Oh, glory. I don't know what happened, but God want to say a word to you tonight. Son malédiction, bébé, de m'écrire lorsqu'on a iniquité. Son malédiction, que lié lorsqu'on détourne le cœur de l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare, malédiction, ça va causer aux misérables, comme au monde qui nous désert. Ou pas qu'à ouer bonheur, pas qu'à ouer bénédiction, pas qu'à ouer lumière. Mais il dit le verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel a l'espérance. Oh, hallelujah. I am glad that I found Jesus. I'm glad that Jesus has found me glory. Il m'a même donné espoir de bonheur. Amen. Il m'a mis la vision. Hallelujah. Of good things, hallelujah. Libre moi espoir de la vie éternelle, hallelujah. Libre de même dans Jean le chapitre 14, glory. Le verset, amen. Le verset premier, hallelujah. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, glory. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je m'en vais, amen. Espérance point, hallelujah. Je vais vous préparer une place, hallelujah. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, où j'y sois aussi. Hallelujah. There is a mention that God is building for me, glory. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. I want you to receive these words tonight. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Assurez-vous dit que bon Dieu bénit tout le monde qui est en relation avec bon Dieu. Que bon Dieu bénit les chrétiens. Que mon Dieu bénisse tous ceux-là maintenant qui gardent la foi de Jésus dans leur cœur. Béni soit tous ceux-là maintenant qui ont une union humaine spirituelle avec Dieu. Alléluia. Que vous soyez bénis dans le nom de Jésus, comme la Bible a déclaré. Oh, alléluia. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. Alléluia. La couverture de Dieu est sur nous. Amen. Alléluia. Ne pas apercevoir la chaleur, glory. Amen. Quand elle vient, chaleur maintenant, c'est affliction. Chaleur, c'est problème, les ovinis. Dieu nous a. Alléluia. Va prendre soin de nous. Oh, glory. Alléluia. Et son feuillage reste vert. Oh, alléluia. Dans l'année de la sécheresse. Même ta maladie COVID-19. But you're still alive, glory. Many of the people that you used to know, they are no longer alive. But
by the grace of God, because the anointing of God, hallelujah, is upon your family, glory. God has kept you alive, glory. But what you do, you keep on praising Him, you keep on singing glory to His name, hallelujah. And His blessings is multiplying upon you and upon your family, because you are in good standing with God tonight. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert de l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Ou à porter fruit. Et mettant famine, et bien, le Seigneur a fort produit. Il y a un plus grand témoignage personnel que beaucoup ont dit dans Facebook Live, sur Facebook Live. Il y a une famine. Nan mi tan maintenant difficulté COVID-19, comment bon Dieu bénim, bon Dieu te bénim. My mind. It is unbelievable. It blows my mind. M'a ka expliqué, sometimes I just raise my hand. Nous sommes levé même dit bon Dieu merci. Hallelujah. Nan période de famine. My mind. Kote moun pa gen kòp, moun pa gen rien. Et puis le Seigneur dit m'a béni, I'm going to bless you. Hallelujah. Vous comprenez quelle raison bon Dieu te fait pour moi? Parce que maintenant, je suis capable de communion avec lui. Je suis trouvé belle envers le Créateur. Je suis à cœur, c'est pour l'éternel Dieu. Toi, tu as dressé sous ton cœur. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon guide. J'espère qu'il va comme ça pour même tout. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. I hope you receive the word tonight. Alléluia. Dans dimanche après-midi, ça me souhaite toute la bénédiction du Seigneur. Papa, nous bénissons après-midi. Hein? Merci pour grâce et faveur. Merci pour bénédiction qui est distribuée à travers l'émission. Ça. Merci pour tout ça qui attend de nous. Dans le nom de Jésus, m'en au Seigneur. Alléluia. Pas quitter, j'aime déconnecter avec. Fait que maintenant, c'est vous-même qui va bon Dieu. Yo. Jéhovah Dieu, c'est vous-même qui c'est bon Dieu, moi. C'est vous-même qui c'est créateur, moi. C'est vous-même qui c'est toute bagarre pour moi. Alléluia. Il m'a vérité dans la présence. Oh, merci Seigneur. Pour moi, vivre et servir. Servir pour toute la vie, moi. Merci parce que c'est mon privilège de présenter parole. Parole, ce n'est pas tout le monde qui a recevoir. Parce que grand pile maintenant qui fait pacte avec la mort. Qui fait contrat avec la mort. Il n'y a pas cœur maintenant de la vie. Mais moi-même, mon cœur pour la vie. Alléluia. Je vous remercie pour la vie comme moi, Jésus-Christ. Non seulement moi-même, merci pour tout ça yo, qui connaît petit toi. Qui accepté, alléluia, et qui est devenu participant dans le royaume de Dieu. Merci pour l'émission à souhait. Nous lever tout ça qui m'a la Dieu dans la mer. Dans le nom de Jésus, alléluia. Me déclarer que je crois que c'est vous-même qui êtes vrai guérisseur. C'est pas docteur qui a guéri, alléluia. Mais dans le nom de Jésus, me déclarer guérison pour vous, alléluia. Me déclarer faveur sur la vie, me déclarer que vous va toucher avec main puissante au nom de Jésus. Vous va capable, Seigneur, camper sous pied. Nous prions pour tout ça pour vous connaître, Seigneur. Vous va faire passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Touchez le cœur, touchez l'âme, touchez l'esprit. Délivrez-vous de la puissance de l'iniquité. Alléluia. Dans le nom de Jésus, assurez-vous votre autorité. Tout esprit rébellion. Tout esprit qui a fait moun pas regarder vers Dieu. Tout esprit qui a fait moun bleu bon Dieu d'eau. Dans le nom de Jésus, m'arrêtez-vous. M'enchaînez-vous avec une chaîne de feu dans le nom de Jésus. Et moi jetez-vous dans l'abîme. Kounia, alléluia. Seigneur, soften the heart of your children. Alléluia. Fait que petit Dieu va venir. Que petit Dieu, Seigneur, va venir plus soft. Que vous allez voir et accepter. Merci pour l'émission, ça a servi à serviteur au docteur pour du jour. Il est toujours bali privilège pour lui présenter parole au Seigneur. Et cause que les cœurs qui va recevoir et la vie va transformer. Au nom de Jésus-Christ, je prie. À vous-même qui méritez toute gloire et tout honneur. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. J'espère que parole bon Dieu te visite. Et me dis merci à soi parce que tu es un privilège pour rentrer dans la maison. Que le Seigneur bénisse. Dans le premier novembre, je prie que la protection de Dieu soit sur vous, sur votre famille. Alléluia. Comme la Bible l'a déclaré, quand la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Alléluia. Et voilà, chers amis, là s'arrête l'émission de ce soir et j'espère que j'ai été pour vous une source d'inspiration pour la gloire de Dieu.
J'espère que vous avez été édifiés également par toutes ces paroles qui étaient prononcées dans la bouche moi. Que mon Dieu bénisse. Nous souhaitons une semaine remplie de faveur. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse la semaine vous-même. Que tout challenge que l'ennemi a été mis devant va dissiper. Alléluia. Que tout maintenant vent contraire va calmer dans le nom de Jésus. Que tout maintenant voix de ténèbres va bannir. Alléluia. I shut down the power of the voice of the enemy in the name of Jesus in your life. Alléluia. Et moi souhaiter toutes les bénédictions éternelles de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. En ce dimanche soir, c'était votre serviteur qui vous a desservi, Docteur Prodigio Jorel, votre frère dans le Seigneur, espérant vous retrouver demain soir pour une autre émission du même genre. À 9h30, I love you. God bless you. Have a blessed night. Good night. Bye-bye. Thank you, Jesus. Thank you.